Salut à tous, c'est Amnèse. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau glitch de duplication en solo et massif. Pour ce fait, il vous faudra tout simplement un bunker qui se trouve sur Maze Bank Foreclosure. Pour ma part, j'ai le bunker de la ferme, mais ça marchera avec n'importe quel bunker. Ce bunker, il vous faudra rien du tout, juste le bunker. Voilà. Dans ce bunker, à part ça, il vous faudra le centre d'opération mobile qui se trouve sur Warstock. Et dans ce centre de paix, en module 3, il vous faudra le dépôt de véhicules personnels. Dans ce dépôt de véhicules personnels, il faudra mettre le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Pour ma part, ce sera une ici anticipation. Celle qui se rebond le plus. 1 700 000 pour ma part. Ensuite, il vous faudra un garage, n'importe lequel. Que ce soit un 10, 2, 20 places, n'importe quoi. Et dans ce garage, vous allez mettre des dunes fab. C'est les véhicules à perdre. Pour ma part, il est à 0$. Comme j'ai acheté le pack d'entrée dans le monde criminel. Pour ceux qui ne l'ont pas, il sera à 700 000$ en effectuant la petite mission du centre d'opération mobile. Voilà, là vous l'achetez et vous le mettez dans un de vos garages. Ensuite, là les prérequis c'est bon pour ça. Maintenant, il suffit juste de rentrer dans votre bunker. Et c'est parti pour le glitch. Là, vous allez tout simplement aller à l'arrière de votre centre d'opération mobile. Ceci. Une fois à l'intérieur, il y aura votre ici anticipation ou n'importe quel autre véhicule que vous souhaitez dupliquer. Vous rentrez dedans et vous sortez. Une fois dehors, vous allez placer votre véhicule comme moi à côté du poteau. Et là, il suffira juste de vous téléporter à votre garage où vous avez mis le dunefab. Pour ma part, c'est la boîte de nuit. Je vais choisir l'activité juste à côté, faire carré dessus et la lancer. À partir de là, il vous suffira juste de. Donc vous allez dans une communauté où vous rejoignez un ami qui a un mode de visée différent du vôtre. Une fois sur ce message, il vous suffira juste de faire double PS pour vérifier si son mode de visée est différent. Et vous rejoignez une deuxième fois si vous avez cette alerte. L'activité, le passe-temps, la session que vous essayez de rejoindre utilise un mode de visée différent, c'est bon. Là, il vous suffit juste de faire rond. Si ça réaffiche le même message, c'est que la personne est dans le même mode de visée que vous. À partir de là, vous êtes TP. Il vous suffira juste d'aller dans votre garage. J'ai oublié de préciser, ce glitch marche en session publique ou sur invitation. Ça change rien. Donc là, je vais entrer dans mon garage où il y a mon dune. On va faire la boîte de nuit dans le sous-sol numéro 4. Voilà. Une fois à l'intérieur, il vous suffit juste de monter dans mon dune. Vous attendez que la moteur soit démarrée. Voilà. Vous avez une petite fumée à l'arrière pour vous le dire. Une fois fait, là vous allez avoir une petite manipulation à faire. Il va falloir enfoncer le touche L2 et la flèche de droite en même temps. Et une fois que vous l'aurez enfoncé, vous allez la maintenir pendant tout l'écran noir qui va s'afficher. Donc c'est parti,
Je maintiens L2 et flèche droite. Je maintiens, je maintiens, je maintiens. Et là, ça a bien marché. Comme vous avez vu, le véhicule a despawn et je me retrouve à pied. Donc là, il suffit juste de retourner au bunker. Pour ma part, je me TP, c'est plus rapide. Voilà, comme tout à l'heure, rejoins la personne. Pendant le chargement, ça marche, y'a pas de soucis. Là, j'ai le premier message, je l'accepte, je le refuse. Et voilà, je suis TP. À partir de là, il vous suffira juste de retourner dans votre bunker. Voilà, je rentre dans mon bunker. Une fois dans votre bunker, si votre véhicule que vous avez laissé est toujours à la même place, c'est que la manipulation a bien marché. Donc maintenant, je rentre dans mon véhicule. Donc là, il n'y a pas de plaque à l'arrière, j'ai mis les mortiers. Mais si vous avez un autre véhicule, vous allez remarquer que quand vous montez, la plaque va changer et prendre. Ça va être une duplication. Donc là, j'ai ma duplication en main, celle qui était là avant. Et dans le centre de paix. Pour sauvegarder, c'est très simple, vous allez à l'arrière du centre de paix, plage de droite, dépôt de véhicule personnel plein, vous acceptez, et le véhicule qui est à l'intérieur est mon véhicule d'origine. Il sera renvoyé à la place du Dune Fab que vous venez d'écraser du coup. Voilà, j'accepte. Et voilà, ceci est une duplication. Pour recommencer, c'est très simple, vous refaites la même manip, vous ressortez votre véhicule, vous le remettez à l'emplacement à côté du poteau là-bas, voilà, vous le mettez ici, et puis vous recommencez, même manipulation, à l'infini, tant que vous avez des dunes fab, c'est bon. Donc c'est tout, je vous laisse sur ça. Bon glitch à tous. Ciao, ciao.